Bonjour, bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie. On va visiter ensemble le Grand Récit de l'Univers, notre nouvelle exposition permanente sur le thème de la matière. Un regard un peu original, on va commencer l'enquête ensemble bien sûr, et surtout maintenant, à partir des objets que l'on peut trouver à portée de la main sur Terre. Entrée progressive en matière, venez. Pour bien entrer en enquête, se poser les bonnes questions. On invitait ici à rentrer en fait dans un élément, il y a de l'eau. Sable, gravier. Alors, tout est virtuel. Hein. Et en fait, ici, on va vous raconter que la matière qui constitue les objets, constitue l'eau, elle n'est pas très différente de celle qui est dans votre corps en termes d'eau, eh bien, elle a peut-être une histoire. Quelle est-elle ? Constituer ce qui paraît pourtant. Pour essayer de la comprendre, cette histoire, peut-être que les objets qu'on a sur Terre vont pouvoir nous aider à la comprendre. Et on va rentrer en enquête en regardant un petit peu quelles sont les roches de la Terre et qu'est-ce qu'elles peuvent nous raconter. Une première ambiance ici, une ambiance avec qui évoque la Terre, et puis des tables, sur les tables des roches. Et les roches, elles racontent qu'elles ont en mémoire certaines facettes de l'histoire de la Terre. Là, il y a les roches de volcan, venez les voir. Une coulée de lave de la Fournaise, là. Un bout de lave qui vient du fond des océans. Là-bas, une personne qui joue avec une roche, parce que cette roche, elle a la propriété d'avoir mis en mémoire le champ magnétique qui existait lors de sa formation. Les roches sont des mémoires extraordinaires. Mais quand on les interroge au bout du raisonnement sur d'où vient la matière qui les constitue, ben les roches de volcan, elles disent, ben, elles existaient déjà dans le magma. Il faut peut-être interroger d'autres roches pour avoir la réponse. On va aller voir d'autres roches. Les roches ici, on peut les toucher, faut en profiter. Traces de vie, passage d'animaux, traces de climat, des gouttes d'eau, des fentes de dessiccation, là-bas, traces d'environnement, les roches sont mémoire de toutes ces choses-là. Mais quant à la matière qui les constitue, elle existait déjà dans l'environnement de dépôt. Qui pouvons-nous interroger? Interrogeons encore d'autres roches. Alors j'aime bien parce qu'on voit une relation des gens aux matières, ils n'hésitent pas à toucher, c'est vraiment ce que j'aime bien ici. Là, la dame touche une roche qui, en fait, a été cassée, c'est ce qu'on appelle un plan de faille. C'est pas nous qui l'avons fait, hein. C'est la nature qui a fait cette cassure. Là, on a des roches plissées. Et ici, que nous racontent les roches, eh ben, elles racontent les déformations, les raccourcissements, les plis, les failles. Elles racontent la formation des chaînes de montagnes. Ce qui, si je reprends la logique, en fait, veut dire que les montagnes n'ont pas toujours existé. Elles se sont formées à un certain moment donné de l'histoire de la Terre. Mais la matière, elle existait déjà avant. Alors, on avance dans notre enquête, mais on peut se poser la question, comment fait-on pour donner un âge aux objets de la Terre? Ici, on peut se rendre compte que par la simple logique de l'observation, on peut arriver à classer des événements les uns par rapport aux autres. C'est ce qu'on appelle la chronologie relative. Et puis, en s'appuyant sur la connaissance de la matière physique, par la radioactivité, on est capable de donner un âge absolu aux événements. C'est l'exemple de la petite manipulation, on fait crépiter des échantillons qui sont radioactifs mais qui n'ont pas le même âge. Et une fois qu'on s'est rendu compte qu'on est capable de donner un âge aux événements, on va pouvoir avancer encore un peu plus dans notre enquête et on va se rendre compte qu'avec les roches de la surface de la Terre, on est capable de modéliser, de comprendre un petit peu comment tout ça a pu se déplacer, se bouger, s'organiser dans le temps. C'est ce qu'on appelle la tectonique des plaques, qui explique comment des planchers d'océan peuvent naître, disparaître et en gros modifier la répartition des continents et des océans à la surface du globe. Cela sur des millions et des millions d'années. Voilà. Mais en fait, on regarde la matière, cette tectonique, elle nous raconte en fait que ce n'est que du recyclage. La matière, elle existait avant. Comment prolonger l'enquête? On aura récupéré tout ce qu'il y avait à la surface de la Terre. Eh bien, on va interroger des roches encore, mais elles sont plus terrestres, ce sont des roches extraterrestres. Alors, puisque les roches de la Terre nous racontent simplement la surface de la Terre, on va interroger d'autres roches maintenant, ce sont les roches extraterrestres, les météorites, celles qui nous tombent dessus de temps en temps. Des vraies météorites. Alors pourquoi les météorites? Parce qu'en fait, ce sont des roches qui, bien que n'étant pas terrestres, vont nous aider à comprendre l'histoire de la Terre. Il se trouve que ces roches-là vont nous aider à comprendre l'intérieur de la Terre. 80% des roches d'origine météorite qui nous tombent dessus sont un peu de cette composition-là, et il n'y a pas d'équivalent à la surface de la Terre. Par contre, dans les 20% restants, il y a quelques météorites qui ressemblent, pour certaines, beaucoup à des roches que l'on connaît à la surface de la Terre, notamment les basaltes,
qui ont comme équivalent en météorites des achondrites basaltiques. Et bien grâce à ces études assez subtiles, on se rend compte que les météorites nous expliquent à la fois l'histoire de la Terre et l'intérieur de la Terre. Et cette histoire de la Terre, en fait, elle se fait en même temps que le système solaire. On est un petit reliquat de ce que le Soleil n'a pas pris en termes de matière. Eh bien, elle aboutit à une conclusion. Grâce aux roches de la Terre et aux météorites, on a réussi à remonter dans le temps, il y a environ 4,5 milliards d'années. On a réussi à proposer un scénario qui a une cohérence très forte en termes de construction pour comprendre comment s'est formée la Terre. Mais en termes de matière, on arrive à une curiosité, c'est que la matière, elle existait avant, puisque la matière, la Terre et le Soleil sont formés en même temps à partir d'une matière qui préexistait. Peut-être qu'on peut prolonger l'enquête, mais pour la prolonger, il va falloir interroger d'autres objets. On va faire une transition, on va se déplacer. Et on va changer d'environnement parce que si les roches de la Terre ne sont plus la réponse, peut-être que les lumières qu'il y a dans le ciel vont nous aider à comprendre un petit peu la suite de l'histoire. À venir, on va aller voir les étoiles. Bienvenue dans les étoiles. Changement d'ambiance, les couleurs ont changé, c'est la nuit en fait, il y a des petits points lumineux dans le ciel, les étoiles. Qu'est-ce qu'elles nous racontent? Alors la première chose qu'elles vont nous raconter déjà, c'est d'abord qu'il ne faut pas fier aux apparences. Mais voilà le premier élément, j'ai des petits points blancs ici qui symbolisent des étoiles. Et là j'ai un viseur qui symbolise un point de vue particulier. Et quand je prends la posture de quelqu'un qui regarde dans le viseur, je retrouve, grâce aux étoiles qui sont là, quelque chose que je connais dans le ciel étoilé, la Grande Ourse. Voilà, la Grande Ourse, les étoiles de la Grande Ourse, elles sont là. Il se trouve que, depuis la Terre, je les vois comme si elles étaient plaquées sur le fond du ciel. Mais si j'ai la chance de pouvoir sortir du système solaire, ce que je ne sais pas faire, sauf à la Cité des Sciences, eh bien je me rends compte que ces étoiles sont distribuées dans la profondeur de l'espace. Première question, où sont-elles? À quelle distance? J'ai besoin de savoir cela pour savoir, en fait, que peut me raconter une lumière. Alors, la première partie de cette salle-là va être dédiée, en fait, à comment connaître la distance de la Terre aux étoiles, et ensuite de faire un lien entre la lumière et la matière. On a ici des gens qui jouent avec une source lumineuse qu'on amène à des températures différentes. Là, il y a des gens qui sont en train de se faire filmer en caméra infrarouge pour se rendre compte que toute matière émet une lumière qui ne se voit pas forcément, mais là, si l'outil qui regarde est bien dimensionné, eh bien on voit la chaleur que l'on émet. Et on va amener progressivement le visiteur à l'idée que, en regardant finement la lumière qui nous vient du Soleil, par exemple, on va retrouver dans le Soleil des indices non seulement sur la température de surface de l'étoile, mais aussi sur la matière qui est présente dans le Soleil et qui émet cette lumière. Et on va se rendre compte que cette matière, elle est exactement comparable à celle que l'on connaît sur Terre. Par contre, le Soleil brille durablement, et puis il n'est pas branché sur le courant électrique. Quelle est la source d'énergie qui entretient la lumière du Soleil? Et on a fait un petit multimédia qui est une invitation, un multimédia, donc c'est un dispositif où le viseur va jouer, hein, fusion au cœur du Soleil, et c'est une invitation à aller se promener au cœur du Soleil. Alors c'est pas très confortable, la température est vraiment excessive et les pressions sont colossales, mais c'est surtout pour notre histoire, on puisse arriver à aller vers l'idée qu'il y a au cœur du Soleil des réactions qu'on appelle de fusion, qui vont faire s'assembler des éléments constitutifs de la matière et la faire évoluer. On va, grâce aux étoiles, avoir le premier maillon qui permet de comprendre comment les atomes ont pu se constituer. Alors le Soleil, c'est bien, au cœur du Soleil, c'est des protons, des noyaux d'hydrogène, qui s'assemblent pour donner des noyaux d'hélium. Moi, dans mon corps, j'ai beaucoup de carbone, de l'oxygène, l'hélium pas tant que ça. Quelles sont les étoiles qui sont capables de rendre compte de la matière qui me constitue? Le Soleil n'y répond pas. Mais il y a d'autres étoiles dans le ciel et on a fait un film qui récapitule, grâce aux autres étoiles, les étoiles plus massives que le Soleil, grâce aux vies des étoiles, comment a pu se constituer la matière des objets que l'on connaît sur Terre, la matière atomique, à la fois par la vie normale des étoiles et aussi lors des explosions d'étoiles. Et à la fin du film, parce qu'on est un petit peu taquin avec nos visiteurs, on pose la question, très bien, si les étoiles sont les mères de nos atomes, d'où vient la matière des premières étoiles? On repousse le questionnement, eh bien, si on interrogeait les galaxies, on se déplace dans l'exposition. C'est vraiment un petit parcours enquête. Alors, parfois, dans une enquête, on pose des questions et on n'a pas les réponses. Ben là, dans l'exposition, c'est pareil. On va poser des questions et on n'aura pas forcément les réponses, en tout cas, on ne les a pas aujourd'hui. Ou si on les a, elles sont incomplètes et en tout cas, pas complètement partagées par la communauté scientifique.
Les galaxies, qu'est-ce qu'elles nous racontent? Déjà, elles nous racontent que la matière n'est pas différente de celle que l'on connaît dans les étoiles. Ce qui est normal, parce qu'une galaxie est faite d'étoiles. Mais c'est une matière qui se fuit mutuellement. Ça a été découvert par Slipher et par Hubble. On montre ici avec un petit jeu interactif. Tout se passe comme si les galaxies s'écartaient, s'éloignaient les unes des autres. Et c'est apparemment d'autant plus vite qu'elles semblent éloignées. Alors, c'est peut-être un des éléments à la fois les plus simples à faire et les plus compliqués à comprendre pour montrer à quel point l'univers est taquin avec nous. On s'intéresse, nous on est là. C'est notre point de vue, dans notre galaxie. Et on va regarder simplement deux autres galaxies. Elles sont là et là. Depuis la Terre, on les voit. Elles semblent disposées dans l'espace. Il y en a une qui est proche et l'autre qui est lointaine. Là, on l'a mis, une qui est proche et l'autre qui est lointaine. Et on se pose la question, sait-on vraiment où elles sont? Et en fait, à l'analyse, on se rend compte que non, on ne sait pas où elles sont. On sait où elles étaient. Où elles sont aujourd'hui? Aujourd'hui, elles sont dans le présent. Alors, nous, on les a figurées dans le présent, on les a mises là. Mais la galaxie, on la connaît par la lumière qu'elle nous envoie. Or, la lumière qu'elle nous a envoyée à l'époque, elle a mis un certain temps à nous arriver. Et en fait, si on voit en même temps les deux galaxies, si elles ne sont pas à la même distance, on voit deux galaxies qui ont des âges différents. Ça veut dire que pour l'instant, on est condamné à ne pas connaître le présent. On ne sait pas où sont les objets de l'univers dans le présent. Mais on a gagné une machine à remonter dans le temps, parce que plus on regardera loin, plus on verra un univers qui est jeune dans son histoire. Si on rajoute à cela, en plus que l'univers est en train de est en expansion, en train de se dilater, on ne sait même plus très très bien d'ailleurs ce que veut dire la notion de distance. Parce que si entre le moment où part la lumière d'une galaxie et elle m'arrive, l'univers s'est dilaté, je ne sais plus très bien ce que veut dire la distance qui me sépare de la galaxie. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir et puis on va aller un petit peu plus loin dans l'histoire parce qu'on va se rendre compte qu'il y a encore du travail pour les astrophysiciens.